Je vais m'intéresser à ce qu'on appelle une équation produit. J'ai un produit de deux facteurs qui fait intervenir une inconnue x. Il faut se rappeler qu'un produit de facteurs est nul si seulement si un de ces facteurs est nul. Tout simplement parce que lorsqu'on multiplie un nombre par un autre nombre, il n'y a que le nombre 0 qui permettra d'avoir un résultat égal à 0. On dit que 0 est un élément absorbant. Donc ici, on va avoir que soit le premier facteur est nul, c'est-à-dire x moins 2. Je vous rappelle que là, la multiplication, elle est ici. Premier facteur, second facteur. Donc soit x moins 2 égale 0, c'est-à-dire x égale 2, soit moins 2x plus 3 égale 0. Donc je vais faire passer le plus 3, ça va devenir moins 3, l'opération contraire. Entre moins 2 et x est un fois. Donc en faisant passer moins 2, ça devient l'opération contraire du fois, de la multiplication, c'est donc une division. Donc je vais avoir x égale 3 demi. J'ai donc deux solutions à cette équation produit. Les solutions sont donc sous la forme de 3 demi. C'est des valeurs qui sont fixes, on met donc les solutions entre accolades. Voilà.